φάντασμα ο Βεσπόζιν. Η τραγωδία κινείται μεταξύ τριών βαθμίδων. Δύσιμε εκτιμήσε σε και δεν θεμελιώσετε τα δεδομένα. Και μετά... Μετά θα παριστάτε. Attention, il ne faudrait pas qu'on me surprenne ici. Θεά και τρομερή Αθηνά. Δέξου. Alexios, j'étais certain de te revoir. Je mentirais en disant que je n'y ai pas pensé, mais hélas, nous allons devoir attendre. Comme tu voudras. Désolé de devoir écourter notre discussion, Socrate, mais je crois que tu as assez parlé pour nous deux. Ta bouche et ta langue ne devraient pas servir qu'à parler. Si tu lui parles assez longtemps, tu découvriras peut-être une trace de savoir cachée derrière ces avances enthousiastes. Un compliment et une insulte dans la même phrase. Il est vraiment doué. Tu arrives à point nommé. Un de mes amis, appelé Sophan, aimerait devenir citoyen athénien. Mais il a besoin d'un peu d'aide. De ton aide. J'ai vraiment hâte d'apprendre pourquoi il veut mon aide. N'importe quel mystios ferait l'affaire, mais tu es mon préféré. Il te suffit de signer pour mon ami sur une petite liste. Pourquoi Sophan ne signe-t-il pas lui-même cette liste? Oh, il le pourrait, mais il n'est pas aussi doué que toi. Autrement dit? Autrement dit, tu as des talents qu'il n'a pas. S'il essayait, il échouerait. Ça a l'air simple, trop simple même. Dis-moi la vérité. Eh bien, tu vas devoir entrer dans le métron, où tu n'es pas censé mettre les pieds, et imiter assez bien son écriture, bien sûr. Donc, il cherche à devenir citoyen illégalement. Tu aurais dû commencer par là. J'essaierai de m'en souvenir à l'avenir. Le bâtiment en question est près de l'Agora. Sois prudent. Garde tes raisonnements circulaires pour d'autres, Socrate. Ils ne marchent pas sur moi. Je ne raisonne pas en rond, ni selon aucun autre. Mieux vaut se méfier. L'endroit est bien gardé. Yeah!
Voilà, son nom est sur la liste. Il est temps de retourner voir Alcibiade. Voilà mon Mystios préféré. Le nom de Sofan est sur la liste, mais il y a eu des complications. Je vois. Il faut parfois verser le sang. J'ai bien fait de faire appel à toi.